Bonjour à tous, c'est Daika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un petit temps, c'est vrai, de non-vidéo, tout simplement. Donc, je vais justifier hein, cette petite absence. C'est pas en tout cas question de motivation, c'est juste un manque de temps. Beaucoup d'examens en cette fin d'année, enfin en ce mois de juin, fin d'année scolaire évidemment. Donc, oui, forcément, repriorité aux révisions et à la vie tout simplement d'étudiante. En laissant un peu de côté YouTube et toutes ses caractéristiques. Donc la chaîne, j'ai également profité de ces 15 jours pour repenser un peu à la qualité et à l'intérêt des vidéos. Donc je vais simplement détailler un peu ce qui va changer sur les différents jeux. Alors pour Far Cry 3, je continuerai donc le petit film d'émission au fur et à mesure des semaines. Ce que je rajouterais, donc ça sera un peu des succès rapiates, un peu des missions un peu secondaires qui sortent un peu du cadre et un peu de fun aussi. Genre, je ferai une vidéo, ça y est, je mets 20 minutes où je m'éclate, je tue des mecs, je tue des monstres, enfin, je m'éclate un peu et puis comme ça on peut parler tranquillement. Ça sera aussi sympa de faire ça. Voilà à peu près côté Far Cry. Côté Dofus, oups, pardon, petit fail. Côté Dofus, pas grand chose côté modification. Je continuerai donc toujours à peu près ces vidéos de Team PVM là. Donc tous les mois je représentais ma Team PVM, ce qui aura été amélioré, les stuffs, les trucs, etc. Je parlerai aussi des mises à jour qui vont arriver très bientôt d'ailleurs, la 2.13 avec les guerres de guildes, tout ça. Je vous en dis pas plus, c'est pas le but de la vidéo. Donc tout ça à peu près sur Dofus. Beaucoup moins de Coliseum par maintenant, parce qu'avec la mise à jour des corps à corps et le déséquilibre PVP. C'est quasiment impossible de faire du Coliseum. Donc maintenant, ben, voilà. C'est un petit peu ancré ce Coliseum. Donc voilà après ce qui est pour côté Dofus. Maintenant, League of Legends, donc les compiles marchent bien. J'ai beaucoup de retours. Ça vous plaît vachement. Ce terme de lier musique, donc action et partie et jeu en même temps. Donc ça vous plaît. Donc je continuerai à le faire. Pas de problème. Ça me fait grand plaisir de le faire. Sinon. Pour ce qui est côté vidéo, League of Legends va subir un gros changement. Je vais plutôt privilégier. Alors, ça sera des présentations des personnages. Hein. Les tests de personnages. Donc, ça sera plus test de personnages avec des vidéos de 40 minutes en faille de l'invocateur où c'est super long, où ça vous barbe. Parce qu'à la fin, voilà, c'est mon jeu et il est pas terrible. Et bon, voilà. Donc, je vais vous laisser plutôt maintenant faire votre jeu. Moi, je vais juste apporter. La présentation d'un personnage, par exemple, je vais prendre, mettons, je sais pas, moi, je vais prendre, par exemple, allez, je vais prendre qui? Je vais prendre Leblanc, voilà, je l'ai sous les yeux. Je vais présenter, voilà, le petit nom, le machin, ses caractéristiques, ce qu'il faut monter pour être puissant avec lui, ses sorts, donc le petit détail des sorts avec une petite animation, genre déroulant. Voilà, là, vous aurez votre sort ici, tac, tac, tac. J'ai un petit peu mes idées, c'est juste une petite présentation, voir un peu si ça vous dit de faire ça. Et donc ça sera des vidéos de 5 minutes, voilà, où je dirai un peu ce qu'il faudra faire avec, machin, etc. Et ensuite, une fois que vous aurez regardé cette vidéo-là, ce sera à vous de vous connecter sur League of Legends. Au passage, vous pouvez toujours m'ajouter Daika TV, Daika simplement sur League of Legends, pas le TV. Le TV, c'est juste pour la chaîne YouTube. Et Daika, voilà, si vous voulez jouer avec moi, il n'y aura aucun souci. Par contre, voilà, des petites vidéos, présentation de personnages, 5 minutes, et ensuite... Vous vous connectez et hop, c'est à vous de faire votre jeu si vous voulez prendre ce même personnage-là. Et ça sera à vous de, voilà, de faire votre jeu en suivant mes équipements que je vous dirai de prendre ou pas. Ça sera à vous de voir, mais en tout cas, voilà, plus de longues vidéos. Ça sera vraiment aussi la chose que je vais tâcher de supprimer. Voilà, par exemple, si c'est là 46 minutes, je pense que personne vous l'a regardé jusqu'au bout. Parce que voilà, à la fin, bon, en plus, c'était un fail en plus cette partie. Bon. Voilà, donc c'est sûr que de ce côté-là, c'est beaucoup moins pratique. En tout cas, maintenant, voilà un peu pour ce qui est des jeux sur la chaîne. Ensuite, donc là, je me suis inscrit à Google+, d'IKEA, tout à fait. Donc là, on a un petit mail très sympa. Voilà, Google+, je vous montre l'interface. Donc c'est plutôt assez intéressant, bien plus constructif que Facebook. Facebook, voilà, c'est cette page assez laide, assez rébarbative qu'on voit partout. Avec des liens partout, ça va à gauche, droite, on sait plus trop ce qu'il faut faire, faut suivre une line ici au milieu, c'est pas tellement évident. Alors qu'ici, Google+, je trouve que c'est un peu plus aéré, un peu plus sympa, avec un petit menu ici où on profite
avec pas mal de choses. Là, je mettrai donc les vidéos. Voilà, on clique sur le quad 9, on a les cercles. N'hésitez pas à m'ajouter dans les cercles. Donc, le nom, c'est Daika TV, comme vous l'avez ici. Vous pouvez m'envoyer plein d'invitations, des mails, ça, je réponds à toute façon, ça me fait grand plaisir. Donc là, je mettrai les petites photos que j'ai déjà commencé à faire. Voilà, ici, on peut voir les petits albums, les petites photos sur Dofus que j'ai commencé à mettre là, mes petits combats, mes petits trucs comme ça. Comme ça, c'est plutôt sympa. D'avoir tout ça en un coup de main, je mettrai aussi les liens de mes vidéos dessus, tout ça, je mettrai tout ça ici. Donc ça sera vraiment un second repère. J'essaierai aussi de m'inscrire sur Twitter s'il y en a qui veulent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui sont plus à l'aise sur Twitter que sur Facebook si vous voulez pas me suivre sur Facebook et que vous êtes par exemple accro à Twitter. Je ferai un petit Twitter aussi, il n'y aura aucun souci là-dessus. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo et que l'avenir sur ma chaîne va vous plaire. On va se quitter là et on va se dire à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!